Konnichiwa Minasan, c'est Mémoire de Légende et bienvenue dans l'épisode numéro 11 à la recherche du phénix. On s'était quitté un peu rapidement sur le précédent épisode où on recherchait le fameux Maître Chen, où en fait finalement en fait cette scène s'est arrêtée directement après ce qu'on nous a demandé de rechercher ce fameux phénix, puisqu'en fait on apprend qu'il n'y a pas qu'un seul miroir mais un deuxième et qu'apparemment il est chez nous. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus de ce qu'il y aura à faire aujourd'hui. Ah. Ine-san? Yes, what is it? Well, about that day. Have you remembered anything? No, and I do not want to think about it. I get chills thinking about it even now. Oh. By the way, Fukuhara-san was looking for you. Huh? Fukuhara-san is? Alors, ce qui est assez marrant, c'est que depuis que le père de Ryo est mort, elle ne veut plus rien savoir, comme c'était indiqué, donc elle préfère vraiment oublier ce qui m'est arrivé. I should be grateful. Bon, des fois, comme nous, comme vous et moi, on vit des moments un peu forts. On va uniquement aller là. On vit des moments un peu forts et du coup, des fois, on a vraiment envie d'oublier quelque chose qui nous a vraiment marqué. Donc, ce qui était un peu le cas dans ce jeu. Alors, on va essayer de trouver Fukuhara-san. Mais où est-il? Je n'en sais rien. Est-ce qu'il est dans le dojo? Est-ce qu'il est... Oh, il est bien trouvé. Donc, à mon avis, je pense que... Ah, le voilà. Donc, à mon avis, je pense que maintenant, cette section d'épisode va se passer un petit peu comme si on recherchait les fameux chinois. Fukuhara-san. Ah. Ryo-san, I... What is it, Fukuhara-san? I'm sorry. I told Ine-san. What did you tell her? I told her what you're doing. I told her everything I know. You what? I just couldn't help myself. And Ine-san needed to know. Fukuhara-san. I'm really sorry. It's okay. Fukuhara-san, do you know anything about the Phoenix Mirror? The Phoenix Mirror? My father may have had it. No, I've never heard him say anything about a mirror. Really? Ine-san might know something about it, though. Okay, let's go ask her. Ah, Ine-san. Son talks very loud, doesn't he? Huh? I just heard the two of you talking. We were talking? Yes, I'm sorry. It was rude of me to eavesdrop. Oh, it's okay. No, it wasn't. But then, who could tell the son of Iwao Hazuki to stay out of trouble? I hate to say it, but... I feel like I'm letting your father down. I'm sorry for making you worry so much. Ryo-san, I don't know if this will help or not. But there was one thing I recall. It wasn't that long ago when Azuki-sensei went to an antique shop to have something stored for him. My father did what? I don't know what it was, but he said it was very important. Antique shop. On va sortir sur le champ, on va aller dans le magasin d'antiquité. Mais alors, tout ce que je voulais dire quand on avait Fukuhara-san, ce qui me fait vachement marrer, et je crois que c'est le seul personnage à avoir vraiment toutes les caractéristiques, je peux dire, ou les, les mouvements du visage, vraiment toutes les, tous les mouvements du visage possibles. On peut faire la tristesse, la peur, la joie, l'effrayement, si je puis dire. Alors que normalement, chaque personnage a toujours sa propre caractéristique. D'ailleurs, Ryo-san, Ryo qui a un peu des airs de Sonic, je trouve, quand il a son air un petit peu maléfique comme ça. Alors que vraiment, Fukuhara-san, c'est le seul personnage à avoir toutes ses caractéristiques possibles. Ah,
notre petit chat qu'on a retrouvé la dernière fois. You and I have a lot in common. Our parents died on the same day. Ryo! Oh, Nozomi. What were you talking about? Nothing. You always say nothing. You never tell me anything anymore. It's not like that. It's just... I understand. But you need to talk to me, okay? Okay. Take care of yourself. See ya. J'ai vraiment du mal à voir Ryo un petit peu en train de rejeter Nozomi Arazaki, alors que ça pourrait vraiment être un... Ce jeu pourrait avoir aussi une partie d'amour. Où est-ce qu'il est passé le chat? S'il s'est barré, il serait pas revenu? Bah comment? Alors là je comprends pas, comment le chat peut se barrer? Bah alors mon petit pépère. There, there, good kitty. Je comprends pas, il se barre et il revient, ça me paraît étonnant. Bon allez, on va partir, on va aller directement au magasin d'antiquités. Alors franchement, je vous rappelle encore une fois que les deux premiers épisodes ont été un peu spéciales. Enfin, faut savoir, l'épisode 9 était particulier parce que... Ah, j'ai mal avancé. Parce que la console avec laquelle je voulais faire le 9ème épisode, c'est-à-dire il y a deux jours de ça, donc on est le 23, si je dis pas de bêtises. Ouais, on est le 22, pardon, autant pour moi. Le 20, j'ai voulu faire le 9ème épisode. Et il s'avère que vers la fin du 9ème épisode, je me suis retrouvé coincé, puisque le bloc optique de la Dreamcast m'a complètement lâché. Et faut savoir, pour ceux à qui ça intéresse, un bloc optique, ça coûte assez cher. Ça coûte le prix d'une Dreamcast d'occasion. Donc entre 60 et 70 euros. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, c'est d'en acheter une autre, concrètement. Après, si vous savez vous débrouiller... Si vous savez bidouiller, vous savez réparer ce genre de problème, faites-le. Moi, personnellement, je sais pas faire. Donc voilà. Mais par contre, j'ai eu un autre souci quand j'ai fait l'épisode 10. Normalement, on s'est quitté un petit peu de façon prématurée. Ah, le Père Noël. On va dire bonjour. Même si on est bien loin de Noël. Christmas. Ho, ho, ho. Yes? What is it? Do you know where the antique shop is? If you mean Bukado Antique Shop, it's across from Hokuhoku Lunches. Thanks. Qu'est-ce que je disais? Oui, je parlais d'un casque. Si vous savez réparer le bloc optique, ça vous coûtera entre 60 et 65 euros. Enfin, entre 60 et 70, c'est le prix équivalent d'une Dreamcast d'occasion. Donc si vraiment vous savez pas réparer... Nozomi. Making any progress? Yeah. I found something my father left for me. Your father? Yeah. See you later. Yeah. Si vous savez réparer ce genre de panne, donc le bloc optique, faites-le, mais apparemment les pièces sont très très difficiles à trouver. Donc je recommande concrètement d'acheter une Dreamcast d'occasion. Alors, donc on va se rendre au magasin d'antiquité. Peut-être le cadeau antique, c'est ici. On va aller récupérer ce que le père de Ryo nous a laissé. On va voir ce que ça donne. Excuse me. Oh. That's a delightful sound, don't you agree? It was made especially for that butterfly woman. You know Madame Butterfly, don't you? You. Your Hazuki Sensei's... Oh my, that was a terrible thing. Your father. Ah, I was holding something at Sensei's request. Just where did I put it, huh? Oh yes, it was very important, so I put it here. He'd asked me to polish and look after it for him.
before my father? It's given to the Hazuki heirs once they turn 18. I gather this antique has been passed down from generation to generation. Father. If there's anything I can do for you, please let me know. Hazuki Sensei was always there for me when I needed him. Was there anything else that he asked you to hold for him? Anything else? Like a mirror, called the Phoenix Mirror. A Phoenix Mirror? Sorry, I don't know of any mirror. Well, that's okay. Thank you very much. Donc, nous voilà bien avancés avec ce... Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? C'est le Swords and Guard. On va regarder ça tout de suite un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça peut être exactement? Ça va être un médaillon, enfin, plus qu'un médaillon, une sorte de pierre en quelque sorte. Alors, c'est une pierre des membres des Hazuki apparemment, si mes souvenirs sont exacts. Donc, peut-être que ça pourra nous avancer à récupérer... Ah, putain de bouton à la con. Peut-être que ça pourra nous avancer à retrouver ce deuxième miroir. Donc, c'est ici qu'on va se quitter, on va s'arrêter. On va peut-être avancer et se retrouver dans un autre endroit dans le prochain épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Un commentaire, n'oubliez pas, c'est en me lâchant un commentaire qu'on finira par faire avancer les choses. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouvera pour le 12e épisode de Shenmue. J'ai pas encore de titre, mais à mon avis, ça va encore tourner sur sur le fameux médaillon du Phénix. Voilà, sayonara Tomodachi. Wait a